Bonjour à toutes et bienvenue cette semaine encore dans l'émission L'Artiste de la Semaine, puisque l'artiste de cette semaine fait pas seulement du Sega, comme d'habitude, fait pas du reggae, hein, du zouk, je sais pas, mais je crois pas trop. Il fait aussi, à part que le Sega, du slow. Oui, comme on n'en voit plus de nos jours, il s'appelle Ken. Pas Ken et Barbie, hein, ouais, mais crois-la bien affaire comme ça dans le temps longtemps. Mais lui, c'est Ken TVK, il vient de l'Est, de l'île de la Réunion. Il est avec moi à ce soir, là. Comment il est, Ken? Bonsoir, Jean-Claude. Ça va? Hein? Merci à tous, merci bien pour cette décor, tout ça. Mais bon. Ken, vraiment, ou nom d'artiste, c'est Ken. Nom d'artiste, c'est Ken, oui. Ouais. Ken, il fait penser à moi tout le temps, Ken avec Barbie. Hein? Ah. Il y a un nom, ça. Non, Ken, là, c'est un petit nom depuis longtemps, ça. Ah bon, depuis longtemps. Depuis longtemps, ça, c'est quand j'étais dans l'armée, tout ça. Ah bon, Donc, il dit Ken, il faut dire TVK à côté. Ken TVK. Ken TVK. Ouais. Un midi le Barbie, nom. Non, Barbie, ah non. Barbie, non, plaisante là. Barbie, le TVK, mais il peut dire, bon, là, que ça veut dire TVK, dis autres. Tiens, Van Kaï. Exactement. Avec oui. La grande famille Tiens, Van Kaï, de l'Est de la Réunion, Saint-Suzanne. Saint-Suzanne, essentiellement. Hein? Saint-Suzanne, oui. Voilà. Donc, il veut dire qu'on sort dans les hautes Saint-Suzanne, ou Bacatel. Bacatel. Voilà. Calix, qui est de l'autre côté là-bas, il connaît bien, parce que Calix aussi, il est originaire de Bacatel. Mais c'est la famille, c'est la famille. En plus, c'est la famille. Voilà, oui. D'accord. Alors, Ken, qu'on chante comme ça. Ben, en fin de compte, ben, m'y fait un peu Sega, m'y fait un peu tout, hein. Mais là, cette fois-ci, malalance à moi, à force, vous l'invitez. Quand vous l'invitez mariage, tout ça, ben, m'y dit, ben, pourquoi pas, et faire un morceau sur un mariage, sur mariage. Ah bon. Ouais. Vous n'avez pas peur un petit peu parce que les morceaux sur mariage, sur les mariages, n'est un paquet. Hein, oui, oui, un oui. Paquet, un tac, un paquet, comme dit ça en créole. Et l'un des premiers que m'y connaît, que l'a fait un morceau sur le mariage, il appelle Claude Roby. Est-ce qu'on connaît Claude Roby? Claude Roby, hein, oui. Claude Roby. Il chante le Vive la mariée. Vive la mariée. Oui, et depuis Claude Roby, hein, beaucoup de gens l'ont fait des morceaux sur le mariage. Hein. La Titoine l'a fait des morceaux sur le mariage. Nena David Luizet l'a fait des morceaux sur le mariage. Na Rogers aussi l'a fait des morceaux sur le mariage. Beaucoup de gens l'ont fait des morceaux sur le mariage. Est-ce que le morceau qu'on a fait sur le mariage, là, il est différent des autres morceaux? Ben, en fin de compte, ben, les différences. Hein. Ben, les différences ben, par rapport que le morceau de ce que moi l'a fait là. C'est ben, pas un morceau piqué, hein. C'est pas un morceau qui danse, machin dessus. C'est un morceau plus doucement. Au début de l'émission, on m'a dit comme ça que vous ne faites pas du zouk, vous ne faites pas du reggae, tout ça, mais vous faites du slow. Slow. Hein. Ben, en fin de compte, par rapport. Ben, écoute, ben, moi j'ai écrit ça et. Il veut dire tout, il veut dire tout au sujet des mariages. Oui. Le commencement, et il veut dire oh, ben, comment il se passe dans les mariages. Et puis, ben, il veut dire. Oh, Donc, dans cette chanson-là, vous explique depuis le début jusqu'à la fin dans un mariage, dans la cérémonie du mariage ou bien dans un mariage en général? Dans les mariages en général, oui, voilà. Et ce morceau-là, là, hein, si vous êtes là aujourd'hui, ça, si vous êtes artiste de la semaine, c'est parce que ce morceau-là, on a un clip dessus que nous allons voir tout à l'heure à la fin de l'émission. Hein? D'accord. Voilà, hein? D'accord. Et donc, ce morceau-là, là, c'est pas qu'un slow qu'on est là, on a d'autres morceaux aussi, on a du Sega aussi. On a du Sega aussi, on a du Sega, on a du Sega mauricien, on a du Sega Love aussi. Oui. Voilà. Mais pas d'album encore. Non, pas d'album encore, mais ça sera pour bientôt. Ouais, ouais. Par contre, on a quelques clips, non? Clips, non, seulement deux. Seulement deux? Oui, ouais, seulement voilà. deux. Deux clips, mais quand, dès qu'on a deux, il porte un S à la fin. Ouais, hein, enfin, pas le deux, mais les clips. Deux clips, voilà. Un S à la fin. Donc, déjà, on a deux, les pas mal. Et puis, on a pas mal de petits morceaux qu'on avait fait aussi chez nous, ici, en live, il y a quelques temps de cela. Oui. Hein, voilà, on a tout ça, il forme ce qu'on appelle une discographie. Hein? Et ben y avait quoi? Il y avait Mon Sentiment, Plaisir à la musique, et puis il y avait Bon la mer. Ah, tout ça! Bon la mer, tout ça. Mais ouais, donc, on a assez pour faire un album alors? Non, mais en fin de compte. Il faut attendre un petit peu. Il faut attendre un petit peu, il n'est pas prêt. Hein, qu'on sera prêt, on sera prêt. On est en préparation d'un autre titre encore. D'accord. Et voilà. Alors, les autres titres que ça fait, c'est toujours du Sega, bien des slow. C'est un Sega. Un Sega même. Oui, voilà. C'est un bon Sega, un Sega l'ambiance. Et quand ça arrive à où à faire un slow comme ça là? Ben, le slow là, ben, midi, écoute. Comme là, il danse plus slow, hein? Oui. Mais Jean-Pierre Boyer nous fait un petit coucou. Hein. Jean-Pierre Boyer fait slow encore comme là. Oui. Voilà. Mais à vrai dire, mais dans le temps, premier Radio Crochet qu'il m'avait fait,
Ben, moi, je l'ai dit, moi, avec un slow. Ah bon? Ben, vous vous rappelez encore la chanson qu'on a chantée, qu'on a fait le premier rêve du crochet? Le premier, il était le morceau de Richard André. Oui. Sylvine. Oui. Sylvine, ben, c'était un beau morceau. En plus que ça, il y avait. Ben, c'était l'orchestre Les Soulmen avec Gabi Laïcune. En Radio Crochet. En Radio Crochet, oui. C'était le premier qui m'avait fait. Ben, il date, dans longtemps. Voilà. D'accord, alors, ok. Alors, Donc, le morceau, le slow, là, sur le mariage, comme ça fait, c'est comme ça. Prends ma guitare, qui est un petit peu loin, l'autre côté, là-bas. Oui, oui. Et puis, nous, ça essaye de faire ce morceau-là ensemble. C'est bon? Elle a longtemps, moi, pourquoi jouer un slow, donc inquiète pas si non, des fois, non, n'est pas trop bon, hein, mais suivez à où, mais ça, suivez à où, les bons. Et après, nous revient après, il est bon. D'accord. Ok, allez, il est parti alors. Un amour infini qui est pour la vie. Le mariage des liens si précieux, c'est le plus beau cadeau qui nous engage pour la vie. Le mariage pour toujours, un mariage fait d'amour, nos anneaux mis aux doigts, nos deux âmes sous un toit. Vive pour le meilleur, vive pour le bonheur, vive sous le même toit, à t'aimer. Ben nous revoilà, nous sommes toujours là dans l'émission L'Artiste de la Semaine, l'artiste de cette semaine avec Ken TVK qui est avec nous, Mamaï de l'Est, de La Réunion, et Mamaï qui fait du Sega, qui fait des slow aussi. Là, j'arrive à vous de temps en temps d'essayer de partir un petit peu à droite ou à gauche en faisant un petit reggae, un petit zouk, un petit
Ségué, pourquoi pas. Mais en fin de compte, bon, mais quand on les chante, là, on veut lancer, on veut faire un peu tout. On veut faire un peu tout, on veut faire un peu Ségué, on veut faire le Ségué, ben, on veut faire un petit peu tout, quoi. Vaut mieux être un bon spécialiste qu'un mauvais polyvalent. Comme ça, il dit ça, non hein? Ça même, bah. voilà, bien fort, Mahou. Dans ça, tout gagne bien fait. Hein? Vaut mieux faire ce qu'on gagne bien fait. Exactement, et laisse ça tout gagne un petit peu moins fait. Ou bien, ça pour les autres. Il y a d'autres qui gagnent bien fait ça. Hein? Voilà, exactement. Voilà, voilà. Le bon Sega, le bon Slot, ça, c'est vous-même l'écrit. Hein? Ben, le bon Sega, en fin de compte, il était aidé par Musicales. En fin de compte, ben, c'était l'auteur du premier Mon Sentiment. Oui. Ben, c'était Grassili. Et Michel Grassili, oui. Et le deuxième aussi, bon la meilleure, ben, c'était lui aussi. Ouais. Après il y avait le Segalov, chacun son chemin. Ben c'est bon, m'y connais plus. Il est à Madagascar, hein. C'est pas grave. Voilà, c'est lui qui m'a donné un coup de main, il m'a donné un bon coup de main aussi. Ah bah. Et le dernier, là, le slow là. Ben le slow c'est moi. C'est vous complètement. Voilà. Depuis au début jusqu'à la fin. C'est moi l'ai écrit, c'est moi au niveau tonalité, et voilà tout. Ouais. Ok alors. Il y a ça qui m'a écrit et puis il y a aussi plaisir à la musique. Ouais. Plaisir à la musique c'est moi-même l'ai écrit, le cigare, l'ambiance, voilà. Et de plus en plus ça va vers quoi? Vers des écritures ou même ou bien sinon faire appel à d'autres personnes. Non. Mais là c'est moi. Voilà. On a des projets comme ça. On a des projets là, et ben justement, on a fini d'écrire un autre titre encore. Ouais. Il sera bientôt enregistré. D'accord. Voilà. Okay. Alors, et si Nalmouni arrive, il dit comme ça, écrit un morceau, il donne au prochain dessus, il n'a pas de problème aussi. Hein? Ou bien, on préfère un bon morceau là, ces derniers temps là. Non, mais pour faire mon bon morceau. Musicales, voilà. C'était au début de carrière. Voilà, ça, c'était, maintenant, c'était juste fait connaître à moi. C'est un bon morceau. Voilà, hein? C'était juste fait connaître à moi. D'accord, voilà. Alors. Hein, en fin de compte, le morceau, ça te fait partie de mon programme parce que tu fais partie d'un groupe. Dans le temps, et Cadence 7, ouais. Ben, c'était le groupe Cadence 7. Ben, après, à force tout le temps, faire le morceau, mais rarement on entend le morceau sur les radios. Ben, après, ça fait qu'avec les musiciens du sud de bas, ben, là, nous la lance le morceau. On a gagné ma voix qui s'allait écrire le morceau, tout ça. Et comme c'était Michel Grassili, ben, après, il m'avait pas tiré à lui. Ben après ça fait que ben malgré l'accord tout ça ben il était content aussi. Ben après lui ce mois ben il y a lancé moi il y a donné un coup de main aussi pour le morceau quoi. D'accord alors. Et le morceau là ben maintenant il est connu un peu partout. Voilà. D'accord alors. Donc là maintenant c'est le morceau qu'il faut connaître, c'est ce morceau qu'il faut faire connaître, c'est le morceau le slow qui appelle le comment? Le slow pour la vie. Pour la vie. Pour hein, la vie. D'accord. Voilà. Donc on va et voir ça, le clip pour tout de suite. Mariage, l'anniversaire mariage un peu tout quoi. Ah non voilà. D'accord. Donc là, les voilà. Gens qui appellent là ou comme ça vient chanter pour vous autres là. Hein? Et comment bien il fait? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Ben, j'ai contact avec moi et puis ben, j'ai laissé un message sur Facebook ou sur mes Messenger. Ouais, et sur Facebook, il faut taper Ken, KENTVK. KENTVK. KENTVK et j'ai laissé moi un message et voilà. D'accord. Et après, où sortent le samedi, le vendredi, où ça va mariage. Exactement. Et où chante le morceau pour sortir. Hein? Exactement. Un slow, un bon slow pour mariage. Hein? Voilà. Hein? Et un petit remerciement à faire parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Là, hein? Dans une caméra, elle est là-bas. Là, se regarde, elle est bien dans les yeux. La caméra là-bas. Et puis, après, on fait un petit remerciement pour des personnes que la aide, ou de loin, de près. La famille, pourquoi pas aussi. Hein? Ben, voilà, on a une caméra là, avec vous. Là. Mais remercie toutes cette issue vraiment depuis au début. Et puis, ben, aussi Jean-Claude, ben, mieux remercier au pour de l'accueil. Hein. Ben, elle est souvent agréable d'être là. Hein. Et aussi, ben, pour tout le monde, il connaît à moi. Et puis, voilà, un gros big up à vous autres. Les bons, alors. Et surtout pour toute l'équipe NRL. D'accord. Je dois connaître. Ok. Merci beaucoup. Hein? Ben, merci Jean-Claude, merci. Merci. Nous faisons un petit remerciement aussi à toutes les personnes qui étaient là avec nous, à Calix qui était puis, derrière ben, la caméra merci, aussi. Merci Calix. À François merci, qui était à la régie de l'autre côté, voilà. Malboro aussi de l'autre côté là-bas, à Coco, à Patrick Apavou aussi ça, de l'autre côté là-bas, voilà. L'homme au gant noir qui va faire la cuisine ce soir avec nous. Et c'est à tout Patrick. Voilà. Et puis nous retrouvons une prochaine fois, c'est bon? Bien sûr Jean-Claude. Ok, allez, tout nous mettre ben. Tout de suite ce clip-là, il s'appelle Pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. D'accord. Alors, et puis après, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de l'artiste de la semaine. Allez, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.
prier pour la vie. Le mariage est un lien si précieux. C'est le plus beau cadeau qui nous engage pour la vie. Un mariage pour toujours. Un mariage fait d'amour. Nos anneaux mis au doigt. Nos deux âmes sous un toit. Le début d'une autre vie, s'aimer sans contrepartie. Nous dire oui sans détour, se promettre de beaux jours, de t'aimer. Dire oui pour toujours. Vivre pour le meilleur. Vivre pour le bonheur. Aimer
tendre